bienvenue à tous. C'est parti! Chers amis, bienvenue, bienvenue à Lille Grand Palais. Vous êtes près de 8000 avec nous autour d'Éric Zemmour. Avant qu'il arrive dans quelques instants, nous allons avoir une série d'orateurs qui va vous parler de lui, qui va vous parler de l'aventure politique qui est en train de se dessiner dans ce pays. Je vous demande d'accueillir le président du mouvement VIA, Jean-Frédéric Poisson. Vous êtes nombreux. Et merci de la chaleur de votre accueil qui est bien dans la tradition de la région où nous sommes aujourd'hui. Merci de manifester une fois de plus votre magnifique sens de l'hospitalité. Et merci de nous accueillir comme vous le faites dans la joie, la bonne humeur et une très grande quantité. Merci à tous. Au passage, si vous pouviez communiquer un peu de ce sens de l'hospitalité à Madame le maire de Lille. Voilà, je crois qu'elle vous a entendu. 1, 4, 11, 12, 21, 26, 29, 37. Non, ce ne sont pas les numéros du loto de vendredi prochain. D'ailleurs, si j'avais les numéros du loto de vendredi prochain, je pense que je ne vous les donnerais pas. C'est le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron. Après son quinquennat, nous sommes le premier pays du monde en termes de pression fiscale. Le premier en termes de dépenses publiques. Nous avons le 4e taux de chômage le plus élevé d'Europe, le 11e taux d'espérance de vie pour la mortalité prénatale, le 12e pays de l'Union européenne où nous sommes en nombre de millions de morts du Covid par million d'habitants. Nous sommes le 21e pays du monde en ce qui concerne d'Europe, en ce qui concerne l'espérance de vie, le 26e pays de l'OCDE en ce qui concerne la qualité de notre éducation, le 37e en ce qui concerne l'efficacité de la justice. Et tout ça, mes chers amis, à la grande gloire de notre ministre des Finances, nous a coûté 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires. On ne peut pas dire que ça soit une bonne affaire. Le bilan d'Emmanuel Macron,
En plus de cet endettement record, c'est la violence qui s'installe partout. Les corps intermédiaires qui sont laminés, l'islam conquérant et l'immigration qui s'installent sans que personne ne leur résiste, le rabotage incessant des libertés publiques et individuelles. Et je veux ici spécialement remercier Éric Zemmour d'avoir pris l'engagement d'être le seul candidat à avoir promis qu'il abrogerait sans délai tous les textes qui réduisent au quotidien nos libertés, tous les passes de toutes sortes. Merci à lui. Emmanuel Macron, c'est le mépris permanent du peuple, c'est l'arrogance comme mode de gouvernement, c'est la maltraitance des travailleurs salariés, c'est la maltraitance des enfants qui sont empêchés d'être éduqués correctement parce qu'ils portent un masque à l'école toute la journée. C'est la maltraitance des personnes âgées dans nos maisons de retraite qu'on a laissées mourir depuis le début de la crise sanitaire. Voilà quel est le bilan d'Emmanuel Macron. Mais il y a plus grave, mes amis. En plus de la nécessité pour tous de sortir de ce bilan terrible et de sa prolongation, Emmanuel Macron prépare, avec l'aide de l'Union européenne, l'identité numérique, la suppression de l'argent liquide, la mise sous contrôle des politiques migratoires européennes avec le pacte migratoire européen et au fond. Ce qui nous attend, c'est le contrôle social à la chinoise, dirigé par le règne de l'argent, au mépris de nos intérêts, de nos libertés et de notre dignité. Voilà ce qui nous attend si Emmanuel Macron ou l'un de ses clones est réélu. Alors, mes amis, puisque nous avons beaucoup de temps à passer ensemble, mais que je dois terminer rapidement, pourquoi faut-il soutenir Éric Zemmour? Parce que d'abord, c'est le seul qui se soit engagé à rompre de manière définitive avec toutes ces politiques, avec la soumission de la France. C'est le seul qui veut rendre à notre pays, à nous tous, les libertés que nous avons conquises dans l'histoire grâce aux générations qui nous ont précédés. Le seul qui veut refaire de la France un pays libre et indépendant. Le seul qui veut faire cesser la fabrication de la pauvreté et de l'indignité qui est la gangrène de la société française. Le seul qui veut rendre aux entrepreneurs, aux familles, aux territoires, aux associations les libertés qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Le seul à avoir un projet qui respecte à la fois notre histoire et notre peuple. Voilà pourquoi il faut le soutenir et voilà comme vous, tout comme vous, pourquoi je suis là aujourd'hui en étant certain que nous gagnerons cette élection présidentielle. Merci de votre courage, de votre engagement. Vive la victoire, vive la France! Merci Jean-Frédéric Poisson. Accueillons aujourd'hui, il est conseiller régional du Grand Est, président du Centre national des indépendants et paysans, Monsieur Bruno Norce. C'est vrai que vu d'ici, c'est impressionnant. Mes chers amis, il y a exactement 8 jours, Éric Zemmour se rendait devant le comité directeur national du Centre national des indépendants et paysans et le comité directeur national du CNIP. A voté à 80% de soutenir la candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République française. Et j'espère que ça va lui porter chance, parce que les 2 anciens candidats qui sont venus devant le comité directeur national ont ensuite été élus président de la République avec 53% des voix.
Ce fut le cas de Jacques Chirac en 1994, lorsqu'il est venu nous voir, il n'avait que 3% dans les sondages. Ça ne l'a pas empêché de gagner contre un certain Premier ministre qui s'appelait Édouard Balladur et qui semblait promis à la victoire. C'était ensuite le cas de Nicolas Sarkozy, mais avec un score moindre. Mais au CNIP, 80%, c'est important, et je peux vous garantir que nous sommes tous avec lui. Mais pourquoi avons-nous pris cette décision ? Nous avons pris cette décision parce que Éric Zemmour est le seul candidat à l'élection présidentielle qui incarne les vraies valeurs de la droite française. Et cette candidature, c'est celle du retour aux valeurs traditionnelles qui fondent la France éternelle et que défend notre parti politique depuis plus de 70 ans. Oui, Éric, tu as su remettre au cœur du débat politique les vraies questions que se posent nos compatriotes, que vous posez. Comme l'on dit dans nos provinces, dans nos campagnes, tu as remis l'Église au milieu du village. Vous avez observé que je n'ai pas dit le minaret au milieu du village. Pour tout vous dire, chers amis, il y a encore peu, Éric Zemmour et moi, nous ne nous connaissions pas. Certes, comme beaucoup d'entre vous, je connaissais l'écrivain, l'historien, le journaliste, l'homme de télévision. J'ai découvert l'homme, et puis il est devenu un homme politique, au sens le plus noble du terme. L'homme qui se préoccupe des affaires de la cité, l'homme qui se préoccupe de l'intérêt général et de l'avenir de la France. Dès notre première rencontre, nous nous sommes rendus compte que nous faisions le même constat de la situation politique de notre pays. Non seulement sur les renoncements actuels de l'actuel locataire de l'Élysée et de sa majorité face aux défis et aux enjeux civilisationnels, mais également de ceux de cet assemblage diffus que sont les Républicains aujourd'hui ou de ces autres partis créés uniquement pour permettre aux égaux de s'exprimer et de récolter des financements publics. Oui, nous l'affirmons haut et fort, la France et l'Europe, la France qui est la fille aînée de l'Église, et l'Europe. Ont bien des racines chrétiennes. Et ce n'est qu'à cause du renoncement de certains que ce n'est pas dans la Constitution européenne. Et nous en sommes fiers d'avoir des racines chrétiennes. Car, mes amis, nous ne voulons pas que nos beffrois, nos églises, nos processions, nos productions agricoles, notamment porcines. Je suis alsacien, j'ai toujours envie qu'on puisse mettre du porc dans la choucroute et le cassoulet. Je ne veux pas que dans nos ducasses, que toutes ces traditions françaises disparaissent de notre vie au motif que certains y voient soit une pérennité de traditions religieuses ancestrales du peuple de France, soit que pour eux,
elles viennent heurter leur petite sensibilité, leur mode de vie, qui ne sont pas celles de la France. Mais où vivent-ils donc tous ces gens-là? En France ou ailleurs? Nous avons fait notre choix. Nous voulons vivre, apprendre, travailler, rire, manger, nous promener sans crainte ni haine dans notre beau pays qu'est la France et que nos ancêtres nous ont légué depuis des millénaires. Nous leur en sommes redevables, car sinon, le sacrifice de ces dizaines de milliers de soldats morts pour notre liberté n'aurait plus aucun sens. Le seul candidat capable de redonner un sens à notre engagement politique, de redonner sa fierté à son peuple, de redonner à la France sa grandeur, eh bien c'est Éric Zemmour. Et c'est pour cette raison que nous le soutenons. Vive Éric Zemmour ! Vive Éric Zemmour, président de la République ! Et vive la France ! Elle a été l'étincelle des Gilets jaunes, celle qui a allumé cette France pas contente du tout. Merci d'accueillir Jacqueline Mourot. Chers amis de Lille et des Hauts-de-France, à l'heure où certains aux portes de ce palais voudraient nous faire taire, nous sommes ici pour rejoindre la France de tous les Français libres. Oui, chers amis, nous sommes ici comme en pèlerinage sur cette terre de Hauts-de-France qui a vu naître le plus grand des Français libres. Je veux parler du général de Gaulle. Il est celui qui inspire la pensée et l'action d'Éric Zemmour, qui œuvre lui aussi pour une certaine idée de la France au XXIe siècle. Une certaine idée de la France comme préservation et ambition d'un modèle français de vie politique, culturelle, économique et sociale, une certaine idée du vivre ensemble. André Malraux avait eu cette image forte et simple de définir la France comme le métro à 18h à Paris. C'était l'époque où le métro avait une première et une seconde classe, mais une seule et même destination, celle de la grandeur de la France et de la justice sociale pour tous les Françaises et les Français. Nous savons que les électeurs de droite sont majoritaires dans le pays, mais qu'ils sont éclatés entre diverses sensibilités. Ces sensibilités, Éric Zemmour veut les rassembler, les réunir, les unir dans un même mouvement. Éric œuvre pour une reconquête nationale et un rassemblement du peuple français. Ne nous trompons pas de combat. Toutes les personnalités sont estimables. Cependant, aujourd'hui, parmi ces personnalités, il y en a une seule qui a vraiment l'audace de reconquérir le cœur de tous les Français et notamment de tous ceux qui s'abstiennent aux élections de notre République. Et ce Français de cœur, vous le connaissez tous, c'est... Notre adversaire commun est clairement identifié. Nous le connaissons tous depuis mai 2017. C'est le président Emmanuel Macron et son exercice... Et son exercice solitaire du pouvoir, qui n'écoute que lui-même, gouverne seul malgré ses ministres, et plus grave encore, n'entend pas les cris et les doléances du peuple français qu'il méprise.
Le socle commun, ce sont tous les électeurs de droite, toutes sensibilités confondues. Ceux-ci expriment leurs préférences d'abord dans les sondages, ensuite dans leur vote. Aujourd'hui, le plus grand nombre d'entre eux ne sait pas encore pour qui voter. Le choix n'est pas arrêté à moins de 65 jours de l'élection présidentielle. Donc, ce que nous visons tous dès à présent, c'est l'agréable résultat qu'Éric Zemmour soit en tête dès le 10 avril prochain. La volonté commune, c'est vouloir mettre un terme aux 5 ans d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui a poursuivi par sa conduite des affaires publiques la politique menée par François Hollande. Oui, 10 ans, ça suffit. Car chacun de nous doit s'engager à réunir et à rassembler tous les électeurs français autour d'un objectif commun, mettre un terme au déclin français. Certains commentateurs et acteurs politiques veulent mépriser ceux et celles qui nous rallient. Mais qui ose mépriser les millions de Français qui se rallient à Éric Zemmour ? Ce que nous voulons d'abord pour tous les électeurs qui se pensent à la droite de l'échiquier politique, ensuite nous rallierons le plus grand nombre de Français pour établir l'amour et le respect de nos valeurs dans une France unique et indivisible. Oui, mes amis, les personnalités qui nous rallient sont les parties visibles des nombreux ralliements et rassemblements de notre peuple, de notre nation, derrière Éric Zemmour. Et d'ailleurs, existe-t-il plus noble cause commune dans cette campagne que d'avoir l'ambition de sauver la France ? Oui, Éric Zemmour est représentatif de la rupture populaire souhaitée par tant de Français. Oui, Éric Zemmour sait déjà rassembler la multitude autour d'une grande inspiration de reconquête et de partage. Oui, nous voulons recueillir le plus grand nombre de suffrages. Oui, nous voulons une adhésion à nos idées et à notre action. Oui, nous voulons lutter contre tous les défaitismes. C'est pourquoi ne nous focalisons pas sur les sondages qui omettent systématiquement de préciser qu'il y a entre 35 et 50% des électeurs qui ne savent même pas s'ils iront voter ni pour qui. Ainsi, il appartient à chacun de nous de rassembler chaque jour un peu plus toutes les forces françaises libres. Fédérons notre enthousiasme et notre courage pour suivre le meilleur rassembleur qu'est Éric Zemmour. Il est en train de réussir là où tous les autres ont échoué. Réunir les Français pour défendre la France, protéger les vies de chacun, pour tous les âges et toutes les formes de dépendance, celles du premier âge comme celles du grand âge. Éric Zemmour nous garantit plus qu'un avenir, il nous offre un destin. Il est l'un des avocats les plus célèbres de France. Il est député européen. Merci d'accueillir Gilbert Collard. Mes amis, voilà, le compteur a démarré. Je voulais d'abord et avant tout vous dire que vous êtes ici, à Lille, les bienvenus. Merci à tous les braves qui ont bravé le martinet islamo-gauchiste de
Martine. Merci à vous tous de n'être point tombés dans cet état d'obriété. Merci d'être venus droit, sans tituber sous les quolibets. Elle a osé dire, elle a pris le boc au passage, hein. Vous me direz, elle a osé dire que Éric Zemmour n'était pas le bienvenu à Lille. Non, mais elle se prend pour qui ? C'est elle qui n'est plus la bienvenue à Lille depuis longtemps. Elle a osé dire, que nous n'étions pas les bienvenus, nous, parce que d'après elle, nous représentons le racisme et l'extrême droite. Il n'y a ici ni raciste, ni gens d'extrême droite. Il y a des Français qui aiment la France. Martine ! Et elle a osé dire, la Martine au Martinet islamo-gauchiste, elle a osé dire que tout cela, c'était au nom de la République fraternelle. Mais c'est quoi sa République fraternelle ? C'est celle qui fait traiter Éric Zemmour de chien ? C'est celle qui fait dire « sale juif » ? C'est celle qui fait dire « nique ta mère alors que ma mère c'est la France » ? Ça, ce n'est pas la République fraternelle, c'est la République de la haine des autres, de la haine de la France. Et ce qui fait qu'on nous brocarde, qu'on nous insulte, c'est que nous représentons quelque chose qui devient extraordinaire. C'est la vibration qui remonte au vol de l'alouette. De cet amour de la France, ils ne le comprennent pas, ils ne le ressentent pas, ils ne le devinent pas. Et ils ont rencontré un homme qui est porté par cet amour, comme par une force qui s'enracine dans toute l'histoire, dans toute la langue, dans toute la poésie, dans toute la géographie. Ils ne le comprennent pas, ces petits technocrates à qui on écrit les discours et qui les annonnent, parfois sans comprendre. Ils ne savent pas qu'il y a un amour de la France qui peut être plus fort que tout. Sa République fraternelle, ce n'est pas Roubaix. Sa République fraternelle, ce n'est pas le père Hamel, égorgé. Sa République fraternelle, ce n'est pas le professeur Paty. Sa République fraternelle, ce n'est pas Nice, le massacre, ce pauvre monsieur Jardin qui pleure et qu'on méprise. La République fraternelle, elle est ici. Parce que nous, on s'aime à travers l'amour de la France. Et personne n'y peut rien. Tout à l'heure, j'ai presque fini, ça y est, mon compteur est épuisé. Tout à l'heure,
vous entendrez, je pense, Jacques Klosterman. Il va vous porter un témoignage et il va vous parler de son père. Mais sachez que sur les 287 pilotes des forces aériennes françaises, dont son père faisait partie, héros de la bataille d'Angleterre, il y a eu 69 survivants. C'était ça la France du ciel des combats qui ne cédait devant rien. Et je remercie mon ami et mes amis ici présents. Et je remercie tous ceux qui nous rejoignent. Parce qu'il y a l'économie, mais il y a aussi la force de l'esprit. Il y a le pouvoir d'achat et il y a le pouvoir d'aimer. Et rien ne se fait sans la force de l'esprit. Et merci d'avoir évoqué la chute de Notre-Dame. Parce qu'effectivement, au moment où on a vu les ailes de pierre tomber dans le ciel, on a eu mal. Et quand on a vu la flèche s'abattre, elle est allée dans notre cœur. Et on a eu mal et on a souffert. Eh bien, cette souffrance, cette douleur de ce que la France devient, on veut qu'elle se transforme en un ensoleillement de la victoire. Et c'est avec Éric Zemmour, c'est avec vous qu'on y arrivera. Vive l'amour de la France! Vive l'amour de la République! Il est député européen, ancien président du groupe Rassemblement National au Parlement européen, vice-président de Reconquête, Monsieur Jérôme Rivière. Bonjour à tous. Le plaisir d'une campagne présidentielle, c'est d'aller à la rencontre des Français, d'aller partout sur les terrains de l'Hexagone, mais aussi, cher Maxette, d'aller outre-mer. Et je suis impatient d'aller avec toi, Éric, outre-mer, saluer l'ensemble des Français qui, comme vous, sont pleins d'enthousiasme pour cette campagne. À en croire certains commentateurs politiques, certains des concurrents d'Éric Zemmour, notre campagne serait marquée par la brutalité, par la fureur, par le bruit. Il n'en est rien. Il n'en est rien. La réalité, c'est que Éric Zemmour a fait un diagnostic, celui de la France que nous laisse Emmanuel Macron. Une France divisée. C'est Emmanuel Macron qui est brutal avec les Français. C'est lui, chère Jacqueline, qui a monté les gilets jaunes contre les forces de l'ordre. C'est lui qui a monté les Français des villes contre les Français des campagnes. C'est lui qui a monté les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est lui qui monte les Français contre les Français. Et face à cette violence, le constat d'Éric est simple. Les Français n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de cette brutalité. Et il amène des solutions. Ce constat de la violence vient de ce grand remplacement qui conduit au grand déclassement. Le grand déclassement, c'est les difficultés des classes populaires, des classes moyennes, de l'ensemble des Français quasiment, face au pouvoir d'achat. Et dans un instant, il nous fera des propositions. Et je vous assure, elles vont décoiffer. J'ai pu le dire à Cannes, mais je le redirai encore aujourd'hui. Ce qui fait chaud au cœur, c'est votre enthousiasme. C'est vous qui portez cette campagne. C'est vous qui venez nombreux, sans bus, sans transport particulier, pour soutenir Éric Zemmour. Et c'est à vous que je veux dire merci. La violence, c'est aussi la poignée de racailles, d'antifa, les authentiques fascistes, amenés par Madame Aubry. Et à ces gens-là, nous leur disons que nous continuerons, que nous irons partout. Pourquoi ? Parce que partout, on est chez nous !
Oui, on est chez nous. On est chez nous. Et en votre nom à tous, je dirais à Éric, nous comptons sur toi. Mais cher Éric, tu peux compter sur nous tous. Elle est députée au Parlement européen, représente les 5 départements d'outre-mer. Merci d'accueillir Maxette Birbakas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à mes chers compatriotes de l'outre-mer. Quelle ambiance, quelle chaleur! Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'exprimer en créole. J'ai lu que des plaisantins entendaient saboter ce meeting en saturant la billetterie. J'ai aussi entendu que nous serions des, comment on dit, nazis. Mais tout ce que je vois, c'est une foule impressionnante, enthousiaste et belle, une foule d'amis que je n'ai jamais vue dans mes précédents engagements politiques. Vos convictions sont plus fortes que les insultes et les coups tordus. Je voudrais, en votre nom, remercier Éric Zemmour de nous avoir redonné confiance et en vue de nous remettre en action pour la France et ses outre-mer. Là où je ne sentais plus qu'abattement et désolation, là où je ne voyais chaque jour le mouvement national péricliter dans sa dimension militante, là où je ne rencontrais plus que salle vide et élus moroses, je retrouve ici à reconquête, capacité à rassembler et cette volonté de combattre, mes chers compatriotes. Emmanuel Macron peut trembler. Enfin, les Français sortent de leur sidération. À ton appel, Éric, le peuple se lève et c'est l'espoir que partout refleurit. Tout le monde a compris que c'est toi et toi seul qui peux battre cette fin à ces 5 années d'emmerdement et de déclin généralisé. Je vais te faire, Éric, une confidence. Les Outre-mer te connaissent et ils t'aiment. Et pas seulement moi. Tu as pu te rendre compte à quel point toutes les femmes antillaises, nous avons un fort caractère. Nous sommes indomptables et nous fonctionnons à coup de cœur. On dit chez moi des femmes debout. Eh bien, Éric, je peux te dire tout simplement que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Ce que j'ai apprécié quand je t'ai rencontré pour la première fois, c'est ta simplicité, ta capacité d'écoute, ton humanité et ta gentillesse. Dans les Outre-mer, nous avons assez de ces marchands de rêves. Tu visites nos territoires pleins de certitudes, exposant des programmes conçus pour la métropole, mais inadaptés à nos spécificités. Mais aux Outre-mer, nous avons notre identité, notre culture, nos particularités, notre authenticité. Et nous ne voulons pas les perdre dans les Outre-mer. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tu n'es pas un politicien. Comme moi, tu es issu de la société civile. Comme tu as compris que pour porter une parole sérieuse, il faut toujours partir du concret, du réel, des territoires, de l'expérience des vrais gens. Nos 2,8 millions de compatriotes de l'outre-mer rencontrent de nombreuses difficultés. Accès à l'eau défaillant, faible pouvoir d'achat, pauvreté massive, économie atrophiée et insuffisamment localiste. Fragilité sanitaire, fort taux de chômage chez jeunes provoquant leur exode. Les défis sont immenses, mais je sais aussi qu'en changeant de méthode, Éric, en écoutant, en respectant,
en comprenant les difficultés des Ultramarins comme tu le fais, nous pourrons ensemble refaire rayonner les Outre-mer et toute la France. Vive les Outre-mer, vive la France et vive Éric Zemmour. Il est député du Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains, vice-président de Reconquête. Merci d'accueillir Monsieur Guillaume Pelletier. Un homme seul. Vous êtes ici à Lille des milliers et nous sommes en France des millions pour soutenir le futur président de la République, Monsieur Éric Zemmour. Peuple de France, peuple d'ouvriers, peuple de paysans, peuple d'artisans, peuple de commerçants, peuple de travailleurs, peuple d'entrepreneurs, vous êtes la droite, vous êtes la France, vous êtes merveilleux, nous sommes innombrables, nous sommes l'armée des ombres. Avec Éric Zemmour, nous allons terroriser les terroristes. Avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration. Avec Éric Zemmour, nous allons éradiquer la délinquance. Avec Éric Zemmour, nous mettrons fin à l'assistanat et nous récompenserons le travail. Avec Éric Zemmour, nous allons chasser de nos écoles SOS Racisme et les lobbies LGBT. Nos mères, nos femmes, nos filles n'auront plus peur de sortir et de vivre parce que la peur va changer de camp. Oui, mes chers amis, nous sommes ici rassemblés parce que nous aimons la France. La France, c'est 2000 ans d'histoire. La France, c'est le pays qui a fait la synthèse entre l'État capétien et l'État républicain. La France, c'est le pays qui a inventé la laïcité pour faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. La France, c'est le pays qui, entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, a choisi le drapeau tricolore pour en faire le drapeau de la liberté. Mes chers amis, la France, c'est aussi un miracle. Non, monsieur Jean-Luc Mélenchon, la France n'est pas née à Valmy en 1792. Oui, Valmy, ça compte. Mais la France, elle est née à quelques kilomètres d'ici, dans la plaine des Flandres, dans un village au nom de légende, le village de Bouvines. Nous sommes le dimanche 27 juillet 1214. Le jour va se lever et l'Europe tout entière est persuadée que l'empereur germanique va terrasser Philippe Auguste. Mais soudain, des milliers de villageois venus de tout le nord de la France, ils viennent d'Abbeville, ils viennent d'Arras, ils viennent de Lille, viennent se mêler aux armées du roi. C'est la victoire, c'est le triomphe. En un instant, le petit roi de Paris devient le roi de France. Il est là, le miracle français. Un peuple
qui se lève, un pays qui se dresse, une nation qui vient de naître. Il est là, le miracle français. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Oui, mes chers amis, l'heure est venue de la reconquête des territoires perdus, la reconquête des combats perdus, la reconquête du temps perdu, la reconquête pour sauver notre patrie. J'en finirai par là. Éric Zemmour, qui n'est pas un politicien, Éric Zemmour qui nous transmet depuis des décennies son amour de la culture, de la littérature, de la poésie et du théâtre. Comment ne pas penser en cet instant à un autre conquérant, le Cid de Corneille? Mais le temps est trop cher pour le perdre en paroles. Je m'arrête au discours et je veux que tu voles. Viens, suis-moi, va combattre et montrer à ton roi que ce qu'il perd en eux, il le recouvre en toi. Vive Éric Zemmour! Vive Éric le Conquérant! Vive la République! Et surtout, vive la France! Il est ancien ministre, ancien président du conseil départemental de Vendée, créateur du Vendée Globe. Merci d'accueillir Monsieur Philippe de Villiers. Chers amis, au nord, c'était les corons. Qu'on est heureux d'être avec vous. Je vais ajouter un mot à ce qu'a dit Gilbert tout à l'heure. Elle nous regarde, la dame des 35 heures. Elle vous regarde. Elle est en train de se dire, eux, quand ils se réunissent, la salle est trop petite, et moi, si je veux réunir mes troupes, mes partisans, un abribus suffira. Vous êtes venus pour soutenir, pour encourager, pour écouter celui qui va arriver dans quelques instants, notre candidat, Éric Zemmour. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais vous livrer des confidences. Je vais vous dire qui est l'homme derrière le candidat. Nous sommes amis depuis 36 ans. Nous sommes proches. Je le connais bien. Tout à l'heure, Guillaume disait... C'est un homme neuf. Oui, c'est un homme neuf. Il ne vient pas du milieu. Il n'est pas un professionnel. On a vu les professionnels. Il n'est pas le produit du consumérisme politique qui détruit la France, qui corrompt l'esprit public depuis tant de temps. Et qui aujourd'hui verse dans l'islamo-gauchisme et dans l'islamo-droitisme. C'est un homme neuf qui a fait sa mue. Le penseur devient homme d'État. Et de l'homme d'État, les Français vont découvrir au fil de la campagne qu'il a l'étoffe. Il a l'étoffe parce qu'il a les trois
fleur du courage français en lui, comme on disait jadis. La première fleur du courage, c'est celle du discernement. Il ose dire ce qu'il voit, il voit ce qu'il voit, et ce qu'il décrit, c'est un processus de décomposition et de colonisation de la France qui ne cesse de progresser. Il est minuit moins le quart, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est tard, mais il est encore temps. Le courage de la réponse audacieuse, la hardiesse, pour faire une France créatrice, à nouveau une puissance créatrice. Mais pour qu'elle soit créatrice, il faut que la France refasse le plein de ses fidélités, qu'on refasse des petits Français. Car si on ne propose pas à nos jeunes nos drames, nos larmes, nos grandeurs, nos gloires, alors ne nous étonnons pas qu'ils aillent chercher d'autres drames, d'autres larmes, d'autres grandeurs, d'autres gloires. Et il faut donc redécouvrir une école du mérite qui ne fasse plus grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Pour faire une France créatrice, celle d'Éric Zemmour, il faut retrouver l'esprit français, l'esprit d'entreprise, l'esprit de conquête, l'esprit de fidélité, l'esprit d'entraide aussi, sans laquelle il y a des gens qui restent au bord de la route. La troisième fleur du courage, c'est le caractère, la fermeté du caractère. Éric Zemmour, croyez-le, est un homme qui est capable demain d'être un chef d'État inflexible. Il a le mental d'un chef d'État. Chers amis, je voudrais terminer par une confidence. Un jour, il y a quelque temps, nous dînions tous les deux, et je lui ai dit, Éric, je te pose une question qui me tient à cœur. D'où vient cette conception sacrificielle de la politique? D'où vient cet amour passionné de la France et des Français? Et il m'a répondu ceci. J'ai tenu la main de mon père, c'était à la fin. Et mon père m'a dit, mon petit Éric, n'oublie jamais que la France nous a pris dans ses bras. Alors, à ton tour, toute ta vie, prends-la dans tes bras. Éric Zemmour. Éric Zemmour paye sa dette morale. Il veut sauver le dépôt millénaire. Chers amis, nous sommes tous de la même France. Nous sommes de la France de nos pères qui nous ont appris à résister, qui nous ont appris à détester les collabos. Les collabos d'hier et les collabos d'aujourd'hui. Nous avons tous en nous la phrase célèbre, à chaque fois que la France s'est approchée de l'abîme, elle s'est accrochée à deux mots qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Alors oui, Éric, on t'attend, il est tard, mais il est encore temps. Il est temps et il n'est pas trop tard. Je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'accueillir le futur président de la République, Éric Zemmour. Thank you.
mesdames et messieurs. Il veut être le prochain président de la République française. Il veut l'être pour vous. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Bonjour à tous, chers amis. Quel plaisir d'être de retour à Lille. Quel plaisir d'être de retour sur cette terre du Nord, si humaine, si sincère et si chaleureuse. Quel plaisir de venir entouré de toute mon équipe. Vous les avez écoutés. Je suis fier qu'ils soient à mes côtés aujourd'hui. Philippe, Gilbert, Guillaume, Maxette, Jérôme, Jacqueline, Jean-Frédéric, Jean, Joachim, Bruno, Laurence, Jacques, Benjamin et tous les autres. Merci. Et vous, quel bonheur de vous retrouver, Lillois, Dunkerquois, Lensois, Valenciennois, Calaisiens. Décidément, j'aime les gens du Nord, leur franchise, leur solidité, leur humilité et leur courage. Quelle terre de feu que cette terre du Nord, quel peuple chaleureux que ce peuple de géants. Quel haut sommet que ce plat pays qui est le vôtre. Merci. Merci de votre accueil aujourd'hui à Lille. Et avant tout, je voudrais que nous ayons ensemble une pensée pour cette policière de 24 ans, grièvement blessée hier à Lille par un multirécidiviste déjà connu par la police. Nous apportons à cette jeune femme tout notre soutien. Je veux également remercier toutes les forces de l'ordre qui nous protègent. Merci, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui. Lille, ville du Lys, son nom, son blason. Lille, la couleur de ses briques et la puissance de ses beffrois. Lille, la cité de Vauban et de Charles de Gaulle et de vos visages, de la France du travail, de la France du mérite. À travers vous, en cette terre de labour et de labeur, de charbon et de coron, de courage et de tissage, je voudrais m'adresser aujourd'hui à la France du travail, lui donner enfin l'espérance qu'elle attend. Nous avons besoin, plus que jamais, de rendre au travail son sens, son salaire et sa valeur. En quelques mois, c'est la quatrième fois que je viens chez vous pour vous écouter, vous comprendre et vous présenter ma vision de la France et mes solutions pour les Français face aux épreuves que nous traversons. En octobre dernier, j'étais venu déjà vous parler du travail, de mérite, de fierté, d'industrie. Je veux maintenant vous dire ce que nous allons faire ensemble pour que demain, pour que dans un an, pour que dans 5 ans, dans 30 ans, notre pays et nos enfants se portent mieux. Un ami lillois m'a dit un jour, « Ici, on a du cœur au labeur ». Cette formule est restée gravée dans ma mémoire. Votre terre, si souvent malmenée, n'a pas seulement donné à la nation nombre de héros et tant de grands hommes,
vous avez aussi apporté à la France des industries magnifiques, de grands groupes florissants, des PME innovantes, des entrepreneurs audacieux, des ingénieurs brillants et des travailleurs solides. Longtemps, longtemps, le Nord fut la seule terre d'industrie d'une France qui était alors presque exclusivement un pays de paysans. Longtemps, le Nord fut le cœur industriel de la France. Longtemps, le Nord fut cette terre où arrivaient en grand nombre des immigrés venus d'abord de Belgique et puis d'Italie et de Pologne. Longtemps, le Nord fut cette terre où ouvriers français et immigrés se retrouvaient au café et à l'église, où les étrangers adoptaient sans rechigner la langue et le mode de vie des Français qu'ils côtoyaient. Longtemps, oui, longtemps, le Nord fut cette terre où l'assimilation permettait une véritable intégration, un véritable vivre ensemble, où tous, quelles que soient ses origines, se retrouvaient dans le même amour de la France, de son histoire, de ses mœurs, de sa sociabilité, où la culture ouvrière, socialiste, se mêlait à l'amour d'une patrie qui leur permettait de vivre décemment et d'élever leurs enfants dans la paix et la dignité. Où tous se retrouvaient dans le même respect du travail, du mérite, de l'effort. Oui, ici, dans le Nord, on est les héritiers de ces générations d'ouvriers, durs à la tâche, qui ne ménageaient pas leurs peines et leurs efforts. Oui, ici, on ne recule pas devant les efforts. Alors, ici, encore plus qu'ailleurs, la cistanat est une insulte. Ici, on se lève tôt le matin et on peut se coucher le soir avec le sentiment du devoir accompli. Et je sais combien ici, dans les classes les plus populaires jusqu'aux classes moyennes, on déteste l'assistanat. Quand on se lève chaque matin à 5 heures pour aller travailler, quand on gagne difficilement sa vie à la sueur de son front, on n'accepte pas que le voisin vive mieux que soi grâce à des aides sociales sans avoir besoin de travailler. Notre civilisation est celle du travail et du travail bien fait. C'est à cela que l'on reconnaît un Français. Souvenons-nous de Charles Péguy, célébrant le goût et le soin du travail et cette même application de la rempailleuse de chaises et du bâtisseur de cathédrales à des siècles d'écart, trouvant dans le travail à la fois la réalisation d'eux-mêmes et celle de leur ouvrage. C'est là notre trésor, notre patrimoine, notre capital. Chaque peuple a son rapport particulier au travail. Les Américains, c'est le respect du contrat. Les Allemands, c'est le sens de l'équipe. Les Français, c'est l'honneur. Oui. Oui. L'honneur du travail bien fait qui relie l'ouvrier et le patron. Dans le Nord, comme en Vendée, cher Philippe de Villiers, avec cette histoire extraordinaire que tu m'as racontée l'autre jour. Un entrepreneur enraciné partageant tout avec ses salariés, jusqu'au football du dimanche, lorsqu'il se met sous les ordres de son ouvrier, devenu son capitaine sur le terrain. Un jour, les actionnaires décident de le chasser. L'argent n'entre pas assez vite à leur coût. La Chine produit moins propre, mais plus et plus vite. Le patron est débarqué.
Alors, pour la première fois de leur vie, les ouvriers font grève, scandalisés, déterminés. Les actionnaires doivent céder. Le patron est de retour sous les applaudissements de ses ouvriers. Oui, oui, n'en déplaise aux partisans de la lutte des classes, notre capital, c'est le travail, et le travail, notre capital. Ensemble, inséparables, non délocalisables, face à la folle lutte des classes et l'injuste loi de la jungle, je serai le président de la réconciliation des classes, le président qui réunira l'entrepreneur et le travailleur. Nous ne sommes pas de ces utopistes qui rêvent de la fin du travail et du revenu universel, ni de ces socialistes qui abandonnent les ouvriers et instaurent les 35 heures qui appauvrissent la France et les Français. Et Emmanuel Macron, qui s'est présenté comme l'homme du progrès et qui n'a rien fait progresser notre pays. Vous savez mieux que personne ici quels sont les ravages d'une société où le travail est méprisé, où les travailleurs sont remplacés au nom de la mondialisation heureuse et de l'immigration, où l'assistanat paye mieux que l'artisanat, où les usines ferment quand les parachutes dorés s'ouvrent. De tout cela, nous allons parler ensemble aujourd'hui. Alors, pour aborder des sujets aussi importants pour l'avenir de notre nation, pour le quotidien de chacun d'entre nous, je suis heureux de vous voir aussi nombreux. 8000 personnes, mes amis. En venant aussi nombreux, vous me faites chaud au cœur, mais sachez quand même que vous avez contrarié quelqu'un. Quelqu'un d'important ici, paraît-il. Mes chers amis, bah oui, en étant 8000 à Lille, vous faites de la peine à Martine Aubry. C'est pas bien ce que vous faites. Martine Aubry, la mère emptoire, comme l'ont surnommé ses amis socialistes. Votre très chère mère, qui dit que je ne suis pas le bienvenu dans sa ville de Lille. Ben oui, c'est sa ville de Lille. Faut comprendre, elle lui appartient, cette ville, voyons. Martine Aubry qui appelle les Antifa, cette racaille d'extrême gauche, à manifester contre nous aujourd'hui. Martine Aubry qui rêve de susciter des violences pour qu'on nous accuse ensuite d'être responsable de ces violences. Toujours les mêmes méthodes chez les gauchistes. Mais sommes-nous violents, mes amis? Voulons-nous la violence? Non! Nous voulons la paix. Alors, en votre nom, mes chers amis, je veux dire à Madame Aubry, non, Madame, les Lillois ne vous appartiennent pas. Les Lillois sont libres, libres de faire ce qu'ils veulent, libre de penser ce qu'ils veulent, libre de dire ce qu'ils veulent pour leur pays,
libre de dénoncer ce que vous, vous refusez de voir. Car à Lille et dans toute la région, l'islamisation se répand. Et je n'ai pas beaucoup entendu Martine Aubry sur ce sujet. Madame Aubry, la grande républicaine, qui n'a rien à dire quand des quartiers entiers échappent à la République, dont les lois sont remplacées par la charia. Martine Aubry, la grande prêtresse de la laïcité, qui reste muette quand des cités entières de sa métropole lilloise basculent dans l'intégrisme musulman. Martine Aubry, la féministe qui ne trouve rien à redire quand des femmes musulmanes exigent et obtiennent des horaires de piscine aménagés dans sa ville et quand on voile des petites filles de 6 ans à Roubaix. À Roubaix. L'Afghanistan à 2 heures de Paris et à 20 minutes de chez vous. Il y a 2 semaines, la chaîne M6 diffusait un reportage sur l'islamisation de Roubaix. Je suppose que vous l'avez vu. Vous avez vu ces poupées sans visage. Vous avez vu ces restaurants où les femmes sont parquées dans des boxes, ces écoles coraniques subventionnées où l'on voile des fillettes de 16 ans. Vous avez vu ce que finalement vous saviez mieux que personne. Mais ce soir-là, à une heure de grande écoute, la vérité a éclaté au visage de tous ceux qui voulaient encore la nier. La terrible vérité, celle que nous connaissons, celle que, selon les sondages, 67% des Français craignent, c'est que la dire que la France s'islamise à grande vitesse. Quelle tristesse, oui, quelle tristesse pour des villes comme Roubaix. Dans cette cité ouvrière, on ne trouve plus beaucoup d'usines, mais on trouve beaucoup de mosquées. On peine à trouver des cafés, mais on trouve beaucoup de boucheries halal. On n'a plus beaucoup de librairies françaises, mais on tombe sur des librairies islamiques. On n'aperçoit plus beaucoup de jupes, mais on voit beaucoup de niqabs. On cherche la France et on ne la trouve plus. La France disparaît sous les yeux effrayés des Français, des Roubaisiens qui n'ont pas pu fuir. Et on apprend depuis... Et on apprend depuis que les courageux journalistes qui ont tourné ce reportage sont maintenant menacés, eux et leurs familles, de décapitation, de viol. Ils doivent vivre désormais sous protection policière parce qu'ils ont osé montrer la réalité. Je vis la même chose, je sais ce que c'est. Je m'y suis habitué depuis des années, mais c'est un scandale que les Français s'habituent à vivre ainsi dans leur propre pays. Alors, bien sûr, nos bonnes âmes de droite comme de gauche relativisent et détournent le regard. Il ne faut surtout pas faire de vagues. Oui, bien sûr, pendant ce temps, les idéologues de gauche ont toujours la main sur le cœur. Pour Jean-Luc Mélenchon, tout n'est affaire. Tout. Oui,
Pour lui, tout n'est affaire que de pauvreté et de misère. Pour lui, les choix individuels n'existent pas. L'histoire n'existe pas, la culture n'existe pas et la démocratie n'existe pas non plus. La délinquance est à cause de la pauvreté. La criminalité, c'est la pauvreté. La saleté, la pauvreté. L'islamisation, la pauvreté toujours. Votre fille s'est fait agresser par un étranger, pas à cause de la pauvreté. Votre mère s'est faite cambrioler, la pauvreté. Votre immeuble est saccagé, la pauvreté. La pauvreté, toujours et encore, seule et unique explication à tous les problèmes du pays. Ce soir, je veux vous le dire dans ce fief de la gauche française, mes chers amis, la vision socialiste de la pauvreté est une vision odieuse. Selon ces politiciens de gauche, la pauvreté mène nécessairement à la délinquance. Si l'on est pauvre, alors, forcément, on aurait envie de voler, de piller, de détruire et pourquoi pas de tuer. Cette théorie est affreuse. Elle est une insulte à tous ces gens modestes qui se sont toujours fait un devoir de rester honnêtes, de rester droits, parfois tellement plus droits que les riches et les puissants. Oui, c'est une insulte pour tous ceux qui refusent de brandir l'injustice de la vie pour la rendre encore plus injuste. Songez aux innombrables Français de conditions modestes qui, grâce à leur intelligence, leur courage, leur travail, grâce à leurs propres mérites, ont réussi à s'en sortir, à mener des vies dignes et certains même à devenir riches et à créer des empires. Voilà notre vision du monde, voilà notre modèle. De Taubira à Mélenchon, de Valérie Pécresse à Emmanuel Macron. Voyez la valse des grands bourgeois qui fantasment sur un prolétariat d'immigrés qu'ils ne connaissent pas. Que disent-ils ? Il faut plus d'argent et on arrêtera la délinquance. La réalité, mes amis, c'est que ces quartiers sont tout sauf abandonnés. Ils sont gavés d'argent public et de prestations sociales. Ils sont en vérité privilégiés. La réalité, c'est que la véritable pauvreté, beaucoup de Français la connaissent, la vivent et la subissent. Ils vivent cette peur lorsque l'argent vient à manquer, lorsque les dettes s'accumulent et lorsque les fins de mois deviennent difficiles, voire impossibles. Lorsqu'on a travaillé toute la semaine et qu'à la fin, il ne reste plus un centime. Lorsqu'on s'est épuisé à la tâche et qu'on ne mange pas toujours à sa faim. Lorsqu'on est une mère seule et qu'on doit travailler toujours plus parce qu'il faut payer la garde des petits. Lorsqu'on connaît les difficultés à se soigner, à éduquer ses enfants, à soutenir ses parents. Ces angoisses qui polluent le quotidien et qui gâchent l'existence. Ces angoisses, je ne les raconte jamais, mais je les ai moi-même connues quand j'étais enfant. J'ai connu à 10, 12 ans les huissiers qui frappent à la porte. J'ai connu l'obligation d'aller vivre chez mes grands-parents parce que mon père ne pouvait plus payer le loyer. J'avais la chance d'avoir un père travailleur, courageux, qui s'est toujours relevé. Qui s'est sacrifié et qui m'a permis d'arriver là où je suis. Comme vous le savez, je sillonne la France depuis des mois. Je vois venir à moi tant de Français qui me confient « Monsieur Zemmour, faites quelque chose
pour nous, on n'en peut plus. À ces jeunes de 20 ans qui me disent « J'ai coupé mon chauffage, je n'ai plus de quoi le payer. » À ces femmes seules qui soupirent « Je ne vais plus voir ma mère à la maison de retraite, l'essence est trop chère. » Oui, oui, j'ai croisé souvent le désarroi et parfois la misère, l'indignation et souvent la colère. Ils me le disent, je les entends. On dirait que là-haut, ils ne vivent pas dans la même économie et que nous. Ils ne vivent pas dans le même pays que nous. Ils nous parlent de statistiques. Mais nous, on vit de précarité. Ah, ils sont loin. Ils sont si loin de la France. Vous, mes amis, quand vous connaissez ces difficultés, vous restez dignes. Vous restez honnêtes. Vous restez fiers. Vous cherchez des solutions. Vous ne fraudez pas, vous ne dégradez pas vos logements, vous éduquez correctement vos enfants, vous ne brûlez pas des écoles ni la voiture du voisin, vous ne cassez pas. Oui, chez vous, on ne casse pas. Vous ne voulez pas casser, vous voulez construire. Vous ne voulez pas être assisté, vous voulez travailler. Vous ne voulez pas l'aumône, vous voulez vivre dignement de votre travail. Je le sais, je vous entends et je vous réponds. Et je veux vous répondre différemment des politiciens qui vous parlent. Car aujourd'hui, tout le monde ne parle que du pouvoir d'achat. Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont LE candidat du pouvoir d'achat. Qu'avec eux, on va vous rendre du pouvoir d'achat comme si on l'avait gardé quelque part. Je les écoute, oui, je les écoute depuis des semaines et en réalité, de la droite jusqu'à la gauche, ils disent tous la même chose. Ils ne disent rien. Que vous promettent-ils tous en cœur ? Des cadeaux, des chèques, des déductions, des pourcentages, des barèmes, des tours de magie, de l'argent public, de l'argent théorique, de l'argent magique. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, l'argent magique n'existe pas. L'argent public, l'argent théorique, l'argent gratuit, leurs belles promesses, tout cela n'existe pas. Ils vont vous ruiner et ils le savent. Chacune de ces mesures censées lutter contre la baisse du pouvoir d'achat va faire chuter votre pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que l'argent qu'ils promettent de vous donner, ils vont vous le voler. Cet argent qu'ils vous promettent, c'est le vôtre. Chaque euro qu'ils vous font miroiter pour demain se trouve aujourd'hui dans votre porte-monnaie. Ils sont en train de vous acheter avec votre propre argent. Ils vous appâtent avec des chèques cadeaux. Mais c'est vous qui passerez à la caisse. Vous payerez cash tout ce qu'ils prétendent vous offrir. Et à la fin, non seulement vous n'y aurez rien gagné, mais vous y aurez perdu, et beaucoup, car cette redistribution en boucle va coûter une fortune au pays, et là encore, c'est vous qui la financerez. C'est du racket déguisé en charité. L'argent public, c'est votre argent. Plus d'argent public, c'est moins d'argent pour vous. Alors, regardons la vérité économique en face. En réalité, personne dans cette campagne ne se demande vraiment ce que veut dire pouvoir d'achat. Alors, nous allons nous le demander ensemble. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, c'est l'argent qui vous reste quand l'État arrête de tout vous prendre. Le pouvoir d'achat, c'est ce que vous gardez quand vous avez payé les charges qui pèse sur votre salaire, la TVA sur tous vos achats, les taxes sur votre plein d'essence, votre impôt sur le revenu, votre redevance télé, vos impôts locaux, votre taxe foncière. Le pouvoir d'achat,
c'est ce que l'État veut bien vous laisser quand il vous laisse quelque chose. C'est ce qui vous permet de payer votre loyer. C'est ce qui vous permet de payer votre loyer, vos vêtements, vos repas, votre médecin, vos médicaments, votre voiture et l'essence de votre voiture, vos loisirs, quand vous le pouvez. Tout, absolument tout. Le pouvoir d'achat, retenez bien cela, chers amis, c'est l'argent que l'État ne vous prend pas. C'est ce que les technocrates de Bercy, dans leur grande générosité et leur immense bonté, vous laissent après vous avoir essoré. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste de votre vie quand on vous laisse être autre chose qu'un contribuable. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand vous cessez de financer une bureaucratie écrasante, des millions d'étrangers qui ne travaillent pas, l'assistanat généralisé, l'endettement incontrôlé de l'État, l'aide en pure perte aux pays pauvres du monde entier. Nous sommes le peuple le plus taxé au monde. Oui, il faut se le répéter sans cesse, mes amis, matin, midi et soir, car on a du mal à y croire. Nous sommes le peuple le plus taxé au monde. Riche, riche, pauvre, appartenant à la classe moyenne, nous sommes tous les plus taxés au monde. Nous avons les taxes et impôts les plus élevés du monde. Nous travaillons près de la moitié de l'année pour financer un État devenu obèse qui dépense sans compter. C'est normal, ce n'est pas son argent, c'est le vôtre. Vous le prendre ne lui fait aucun mal, le dépenser encore moins. Il est tellement facile de dépenser l'argent des autres. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand vous cessez de payer pour l'aide médicale d'État des étrangers, quand vous cessez de payer pour que des fraudeurs touchent des allocations qu'ils ne devraient pas toucher, quand vous cessez de financer les places de prison pour 15 000 étrangers. C'est quand vous avez déjà donné la moitié de votre paye pour des dépenses folles, pour que des terroristes profitent du RSA ou du chômage pour financer un énième plan banlieue. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand vous cessez de subventionner des milliers d'associations de gauche qui ne cessent d'attaquer l'État et rêvent de détruire la liberté d'expression dans notre pays. C'est quand vous cessez de payer pour des usines à gaz technocratiques, pour un millefeuille administratif toujours plus épais, pour des administrations devenues absurdes quand elles ne rendent plus de services publics. Alors, forcément, quand vous avez fini de donner ce que vous gagnez à ces gens qui ne vous diront jamais merci, ces gens qui méprisent le travailleur, le salarié, le créateur, l'entrepreneur et qui vivent de votre argent, forcément, quand vous avez fini de payer, votre pouvoir d'achat est faible, de plus en plus faible. Votre pouvoir d'achat se réduit chaque année davantage et vous en avez assez, et moi aussi, j'en ai assez. Sauver le pouvoir d'achat, pour moi, c'est une urgence absolue. Car un pouvoir d'achat fragile, c'est une vie fragile. Un pouvoir d'achat au rabais, ce sont des choix qui polluent le quotidien de toute une famille. C'est devoir choisir entre réparer l'électroménager en panne et faire la révision de la voiture. C'est devoir choisir entre le soutien scolaire de son aîné et le nouveau manteau de la petite dernière. Oui, on en est là. Oui, on vous donne le choix entre le moins bien et le pire. Oui, tous ces dilemmes obscurcissent votre quotidien et vous gâchent la vie.
Pourtant, tenez-vous bien, il paraît que votre pouvoir d'achat a augmenté. Et vous ne le saviez pas. C'est pourtant ce que proclament fièrement les technocrates de Bercy et les fonctionnaires de Bruxelles depuis des années. Vous savez, ce sont les mêmes qui vous disent qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Et la baisse du pouvoir d'achat, alors qu'est-ce que c'est? Un sentiment d'appauvrissement? Les mêmes politiciens, les mêmes technocrates avaient tenté de nous faire croire que le passage à l'euro avait amélioré notre pouvoir d'achat. Ben voyons. Les mêmes nous affirment aujourd'hui que l'inflation ne repart pas, que la hausse des prix n'est que provisoire. Ben voyons. Alors, mes chers amis, pour augmenter votre pouvoir d'achat, vous le comprenez maintenant, il n'y a pas 1000 méthodes. Seules 3 solutions s'offrent à nous. 3 solutions connues de toutes nos élites, mais jamais mises en œuvre par manque de courage et par manque d'honnêteté. 3 solutions pour enfin reconquérir le pouvoir d'achat des Français. La première de ces solutions, chers amis, les politiciens et les technocrates ne veulent pas qu'on en parle. Alors, ils n'en parlent pas du tout, ils en parlent à moitié. Mais le peuple sait à quel point nous en avons besoin. Alors oui, nous allons enfin cesser de gaspiller l'argent public. Car l'argent public, c'est votre argent. C'est autant d'argent que nous allons arrêter de vous prendre. La deuxième solution, mes amis, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé et je vous le redis. Nous allons arrêter de financer notre propre remplacement. Car lui aussi, il est financé par votre argent. Et cet argent, nous allons cesser de vous le prendre. Et enfin, c'est essentiel, et c'est ce que vous attendez, nous allons enfin récompenser le travail et le mérite. L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front ne doit pas atterrir dans je ne sais quelle caisse publique, mais sur votre compte en banque. Oui, mes chers amis, je veux d'abord que l'État soit l'allié des familles, l'allié des salariés, l'allié des retraités, l'allié de tous ceux qui veulent s'en sortir. Je veux que l'État soit au service des Français. Mais pour cela, il va falloir que notre État cesse enfin de gaspiller notre argent. Nous sommes les seuls dans cette campagne présidentielle à nous préoccuper de cet immense gâchis. Et cela est logique, nous sommes les seuls qui pensons aux prochaines générations. Car, je ne vous le dirai jamais assez, il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent magique. L'argent de l'État, c'est notre argent, c'est votre argent. Je serai le candidat qui mettra fin au gaspillage de l'argent du contribuable. De Mélenchon à Macron, ils veulent tous vous ruiner. Mais l'argent gaspillé aujourd'hui, c'est ce qui manquera à nos enfants demain. La responsabilité, c'est savoir, dans chaque réforme et dans chaque décision politique, que la richesse ne vient jamais de l'État, mais qu'elle vient des Français, que tous les matins se lèvent tôt pour aller travailler. Ma doctrine est claire. L'impôt doit servir au service public. L'impôt doit servir aux Français et l'impôt doit être le levier de l'État au service de la France. Cela signifie que nous allons arrêter de prendre leur argent aux Français pour financer des dépenses que l'État ne devrait pas financer. Vous voulez des exemples ?
de ce que nous allons arrêter de financer. Écoutez bien. Écoutez bien. Et rendez-vous compte. En pleine crise du Covid, le gouvernement d'Emmanuel Macron a trouvé le moyen de faire un chèque de 140 millions d'euros pour aider le développement de la Chine. Oui, oui, de la Chine, le développement de la deuxième puissance économique du monde. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, les impôts que vous payez servent à donner de l'argent de poche à la deuxième puissance économique du monde. Et cela alors que nous manquions de masques et de respirateurs pour sauver nos malades. Mes amis, Emmanuel Macron prend donc l'argent dans votre poche pour le donner à un pays qui a concurrencé avec férocité vos industries, vos ateliers de tissage ou de dentelle, vos mines et vos hauts fourneaux. Combien d'entreprises ont dû fermer à cause de cette concurrence déloyale? Combien d'emplois sacrifiés? Combien d'ouvriers au chômage? Et il faudrait en plus aider la Chine. Encore une fois, il est facile pour eux de dépenser l'argent des autres, le vôtre. Un autre exemple. Au hasard, prenons l'audiovisuel public. J'avais dit au hasard. Nous payons tous ici cette redevance télé. Évidemment, nous serions tous d'accord pour financer un service public de qualité, mais la France et les Français n'ont pas besoin de médias de gauche qui les détestent. Ils n'ont pas besoin de financer la propagande immigrationniste, woke et décoloniale de France Inter, qui n'hésite pas à insulter les Français qui ne pensent pas comme eux. Arrêterons donc de prendre l'argent des Français pour financer ces médias. Ce sera une taxe de moins et une économie de 138 euros pour chaque foyer. Rendez-vous compte, l'audiovisuel public nous coûte chaque année plus cher que nos prisons. C'est 3,6 milliards d'euros que vous payez pour ces médias de gauche quand nous payons 3,3 milliards pour nos prisons trop pleines, alors que tant de délinquants sont dehors, faute de place. Aujourd'hui, on préfère financer des programmes télé plutôt que d'assurer la sécurité des Français. Oh, je sais, les bobos vont hurler, les gauchistes qui vivent de cet argent public vont s'indigner, mais ce n'est pas mon sujet. On parle ici de justice, on parle ici de l'argent des Français et on parle ici de leur pouvoir d'achat. Jusqu'à quand l'État va-t-il utiliser l'argent que vous gagnez en travaillant tous les jours à des dépenses qui choqueraient plus de la moitié des Français? Ce n'est pas cela la justice, ce n'est pas cela la démocratie. Les exemples sont tellement nombreux que nous pourrions y passer toute la journée. Chacune de ces dépenses folles, chacune de ces dépenses inutiles, c'est à chaque fois des plaisirs que l'on vous enlève, des besoins auxquels vous ne pouvez plus subvenir, des achats que vous sacrifiez. Je vais donc vous annoncer la méthode que nous suivrons, sans jamais reculer, d'un seul pas. Dès le premier jour de mon quinquennat, nous commencerons à dresser la liste exhaustive de tous les moyens par lesquels l'État détruit votre pouvoir d'achat. Tous, sans exception, une immense détection de tout ce qui fait de nous le pays le plus taxé, le plus imposé et le plus bureaucratique du monde occidental. Avec l'aide d'entrepreneurs et d'économistes,
nous lancerons la plus grande réforme de l'État depuis le général de Gaulle. Pendant 5 ans, nous abolirons tout ce qui vous détruit. 5 ans pour sauver définitivement votre pouvoir d'achat. 5 ans pour reconquérir la prospérité française. 5 ans pour démontrer qu'impossible n'est pas français. 5 ans qui marqueront à tout jamais notre histoire. Nous serons d'une sévérité absolue dans nos diagnostics comme dans nos décisions. Et les fonctionnaires utiles, dévoués, intègres, et ils sont innombrables, pourront enfin accomplir leur mission. Car ils sont, je tiens à le dire, eux aussi, les victimes de la bureaucratie. Elle les plombe, elle les noie. Sans elle, ils seraient aimés par le peuple parce qu'ils seraient plus disponibles et efficaces que jamais. Ils seront fiers et nous serons fiers d'eux. Chers amis, pour conclure sur ce grave sujet, méfiez-vous des candidats qui vous disent qu'il suffira d'un choc de simplification pour régler le problème. S'ils prennent le pouvoir, il n'y aura pas de simplification parce qu'il n'y aura pas de choc. Non, ils ne toucheront pas à la bureaucratie parce qu'ils en viennent. Et parce qu'elle est leur meilleur allié. Le choc de simplification de Valérie Pécresse, c'est la reprise d'une idée de François Hollande, c'est une idée de bureaucrate, la fin de la bureaucratie, la fin des dépenses inutiles. Ce n'est pas une ligne dans un programme électoral, c'est la méthode de tout mon quinquennat. Parmi ces dépenses folles, mes amis, vous le savez, tous les Français le savent. Il y a le financement de l'immigration. Oui, mes amis, sauver le pouvoir d'achat des Français, c'est également arrêter de financer l'immigration sur votre dos. C'est arrêter de dilapider l'argent pris dans vos poches, même quand elles sont vides, pour nourrir le monde entier. Dès notre arrivée au pouvoir, nous allons cesser de prendre aux Français les milliards d'euros consacrés chaque année à l'accueil et à l'entretien des millions d'étrangers qui vivent sur notre sol. Nous allons retrouver notre modèle social pour qu'il redevienne véritablement français. Car notre modèle social n'est plus capable de lutter contre la misère parce que tout le tiers-monde vient en profiter. Notre modèle social laisse des familles à l'abandon et pénalise nos entreprises pendant qu'il nourrit des islamistes. Notre modèle social étrangle les classes moyennes, abandonne les catégories populaires, tandis qu'il arrose les cités. Chaque année, les demandeurs d'asile coûtent 1,3 milliard d'euros aux Français, soit près de 830 euros par mois pour chacun d'entre eux. C'est plus que la retraite de tant de nos agriculteurs qui ont trimé toute leur vie pour nourrir notre pays. Savez-vous qu'en plus d'un hébergement gratuit et de soins gratuits, nous donnons à chaque demandeur d'asile pendant près d'un an une carte bancaire créditée de 430 euros par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de vos impôts. Tout cela sans qu'il ne travaille, évidemment. Je mettrai fin aux demandes d'asile déposées sur notre sol et je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus. Oui, je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus, les vrais combattants pour la liberté, et non à des dizaines de milliers comme aujourd'hui. Ce sera 1,3 milliard d'euros que l'État arrêtera de vous prendre chaque année.
Parlons d'une autre dépense publique que je vais vous épargner, mes amis. Chaque année, les mineurs non accompagnés coûtent 2 milliards d'euros aux Français. Oui, 50 000 euros par mineur étranger. Vous avez bien entendu, chacun de ces mineurs isolés nous coûte plus de 4 000 euros par mois. Là encore, pour nous remercier de notre bon cœur et de notre main tendue, ces mêmes mineurs isolés ont commis, rien qu'à Paris, 5 000 actes de délinquance en 2020. Des agressions, des vols qui pourrissent le quotidien des honnêtes gens. Mais comme ils sont mineurs, ils ne vont pas en prison et donc ils recommencent. Je mettrai fin à cette injustice. Pour moi. Pour moi, la justice, c'est prendre ces 2 milliards et les donner aux Français de nos communes rurales qui font des enfants. C'est pour cela que je donnerai 10 000 euros par naissance d'un Français dans une commune rurale. €10 000 pour un Français qui naît dans ces communes qui se dépeuplent. Qu'est-ce que cela représente face aux 50 000 euros que nous dépensons chaque année pour chaque mineur isolé clandestin? Cette mesure n'est pas un chèque cadeau, c'est de la justice, c'est de l'argent que nous cesserons de donner à des clandestins du monde entier pour les donner à nos compatriotes qui en ont besoin. C'est préférer une politique de la campagne à notre folle politique de la ville. C'est favoriser enfin la natalité dans nos campagnes plutôt que l'explosion démographique dans nos banlieues. Encore une autre dépense à vous épargner dès mon arrivée au pouvoir, chers amis. Chaque année, un clandestin qui ne travaille pas, qui ne paye pas de charges sociales, qui ne paye pas d'impôts, coûte en moyenne 2 600 euros au système de santé français grâce à l'AME. Merci, Madame Aubry. Merci pour cette belle réforme qui a coûté des milliards aux Français depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, la moitié de la France est devenue un désert médical où il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, où il faut faire des heures de route pour accoucher dans une maternité. Alors, je supprimerai l'AME. Oui, je supprimerai l'AME et j'embaucherai 1 000 médecins salariés en urgence pour nos départements qui manquent de médecins. C'est bien la moindre des choses pour un pays qui prétendait avoir le meilleur système de santé du monde. Et je ne vous parle pas du RSA et des allocations en tout genre. Actuellement en France, tenez-vous bien, 55% des étrangers extra-européens en âge de travailler sont tout simplement inactifs. Ce qui leur laisse apparemment le temps de faire des enfants, puisque selon l'INSEE, les immigrés représentent à eux seuls 30% de toutes les naissances françaises. 30%. En résumé, nous finançons leur arrivée. Nous finançons l'entretien des banlieues qu'ils ont saccagées, nous finançons leur trait de vie, bref, nous finançons notre grand remplacement au prix de notre grand déclassement. Oui, mes amis,
mes amis, les charges que vous subissez sur vos fiches de paye financent aussi l'immigration de masse. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Stéphanie Labelle. Stéphanie a 30 ans. Elle est diplômée d'un CAP de vente. Elle travaille en Seine-et-Marne. Depuis des années, Stéphanie sollicite un logement HLM, mais elle ne l'a jamais obtenu. Alors Stéphanie vit à l'année dans une caravane. Stéphanie, faute de logement social, doit dormir chaque nuit dans un camping. Quand un journaliste l'interroge, cette femme fière répond « Oh, j'ai abandonné la recherche pour les HLM. Je ne me plains même plus. On a l'impression qu'il n'y en a plus pour les émigrés que pour nous. Pour les maisons, pour les appartements, ils sont toujours prioritaires. » L'histoire de Stéphanie, mes amis, c'est l'histoire de tellement de Françaises. Pendant ce temps, 20% d'étrangers occupent nos logements sociaux. Nous disons stop, ça suffit, la fête est finie. Nous réserverons nos logements sociaux aux Français. Oui. Oui, le logement est l'une des dépenses les plus lourdes et il n'y a aucune raison de toujours favoriser les autres. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse les poches pour nourrir ceux qui ne font pas d'efforts, ceux qui souvent nous haïssent et ceux qui nous méprisent. Nous couperons les aides sociales aux étrangers extra-européens. RSA, allocation familiale, aide au logement. En tout, ce sont plus de 20 milliards d'euros par an qu'on arrêtera de vous prendre. Nous allégerons ainsi les charges qui pèsent sur les salaires des Français les plus modestes. Il n'est plus admissible que votre fiche de paye vienne financer l'assistanat des étrangers. Nous allons donc augmenter votre salaire sans desservir vos entreprises. Nous allons augmenter votre salaire net en préservant le salaire brut. Pour ceux qui touchent un SMIC, cette somme représentera jusqu'à 105 euros par mois. C'est un véritable 13e mois qui doit permettre à des millions de Français d'éclaircir l'horizon de leur famille. Oui, je pense aux familles, car le pouvoir d'achat est souvent une préoccupation collective. C'est l'angoisse des parents pour leurs enfants, c'est la difficulté à fonder un foyer, et même parfois, ce sont des tensions dans un couple. Alors oui, nous mettrons en place la bourse de naissance que j'ai déjà évoquée pour nos familles rurales et pour toutes les familles des classes moyennes, partout en France, celles qu'on oublie à chaque fois, celles qui sont suffisamment riches pour supporter toutes les augmentations, mais jamais assez pauvres pour obtenir des allocations. Oui, pour ces familles. Oui, oui, mes amis, pour ces familles, je doublerai le plafond du quotient familial et je rendrai les allocations familiales universelles comme c'était le cas avant la réforme du gouvernement de François Hollande. Car oui, oui, il y a des familles de la classe moyenne qui ont un emploi, qui ont un logement, mais qui souffrent quand même. Il faut aussi les aider. Je n'abandonnerai pas les classes moyennes. Et beaucoup de familles le savent bien ici. Même quand ils ont quitté le nid familial, nous devons toujours aider financièrement nos enfants, surtout s'ils font des études.
Mais quand on fait partie de la classe moyenne, comme d'habitude, on a le droit à rien. Alors, avec nous, les choses vont changer. Les élèves issus des classes moyennes auront enfin accès aux bourses de scolarité, que ce soit pour l'université ou pour les grandes écoles. Oui. Oui, nous devons aider nos étudiants. Vous êtes nombreux dans la salle et je veux que nous vous applaudissions. Car depuis 2 ans, vous êtes les grands sacrifiés de la politique d'Emmanuel Macron. 2 ans, loin de vos familles, loin de vos amis, si souvent contraints à la visio derrière vos ordinateurs, vous avez eu de quoi devenir fou. Vous avez 20 ans, et pour nombre d'entre vous, les galères ont déjà commencé. La difficulté à payer le loyer, à jongler entre l'université, l'IUT, la prépa, le BTS, et un petit boulot à côté, et parfois même à vous nourrir. Vous êtes l'avenir de la France, et préparer l'avenir, c'est justement soutenir les familles, c'est soutenir toutes ces familles qui préparent la France de demain. Aider les familles, ce n'est pas seulement aider les jeunes parents, c'est aussi penser aux anciens. Je pense notamment à ces retraités veufs et veuves qui vivent avec de misérables retraites et qui survivent difficilement avec l'aide de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pour celles qui ont perdu leur mari, pour ceux qui ont perdu leur femme et qui doivent soudain vivre avec la moitié d'une retraite, nous augmenterons les pensions de réversion à 75%. Car je trouve qu'il n'est pas juste qu'à la douleur de la mort d'un être cher s'ajoute la crainte de la misère à venir. Au-delà de 70 ans, une femme sur deux vit seule. Rendez-vous compte, sur les 4 400 000 personnes qui sont titulaires d'une pension de réversion, 4 millions sont des femmes. Il n'est pas juste que des femmes se retrouvent dans la difficulté alors qu'elles ont non seulement travaillé mais aussi voué leur vie à l'éducation de leurs enfants. Je mettrai fin à cette injustice. Oui, car nous défendons la justice et pour tous les Français, défendre la justice, c'est enfin revaloriser le travail, car à la fin des fins, votre pouvoir d'achat, c'est le fruit de votre travail. Quand on vous laisse vivre de votre travail, quand l'État cesse de vous prendre ce que vous avez gagné, quand votre patron peut vous rémunérer à la hauteur des efforts que vous avez fournis sans se demander si la moitié partira dans les caisses de l'État. Car à la fin des fins, oui, votre pouvoir d'achat à la fin du mois, c'est celui que vous avez mérité pour 4 semaines d'efforts et parfois de sacrifices, pour 30 jours de rigueur et de sérieux. Alors oui, nous voulons que le travail paye. Ce n'est que justice. Oui, nous voulons que le travail paye mieux. Mieux que les revenus de l'assistanat. Ce n'est que justice. Nous voulons qu'il paye tout de suite, et pas après je ne sais quel mécanisme de redistribution qui consiste à vous prendre l'argent que vous avez tout de suite pour vous le rendre si vous cochez les bonnes cases. Car pour nous, il n'y a pas de honte à vouloir bien gagner sa vie, à subvenir aux besoins de sa famille. Oui,
travailler plus pour gagner plus était un excellent principe. Et oui, l'exonération de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires étaient une excellente idée. En abolissant cette mesure pleine de bon sens du quinquennat Sarkozy, la gauche et François Hollande ont donné un exemple typique des mauvais travers de la classe politique. Supprimer ce que ses prédécesseurs ont fait de mieux, quitte à trahir les travailleurs français jusqu'à ses propres électeurs. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas comme eux. Nous acceptons ce qui a été fait de bien avant nous. Alors, nous rétablirons l'exonération totale de charges et la défiscalisation totale des heures supplémentaires pour que les Français qui souhaitent travailler plus gagnent plus. Ainsi, ils dépenseront plus, ils épargneront, ils investiront, ils profiteront davantage des fruits de leur travail. Nous voulons aussi soutenir ces millions de Français qui prennent tous les matins leur voiture pour se rendre à leur travail. Je suis sûr que vous êtes nombreux à être concernés aujourd'hui et que vous serez d'accord avec moi. Pour nous, pour vous, la voiture n'est pas un choix. La voiture est une obligation. Vous êtes ouvrier, vous êtes employé, vous travaillez dans un hôpital ou un supermarché. Non, vous n'allez pas prendre votre vélo pour parcourir les kilomètres qui vous séparent de votre entreprise, de votre usine ou de votre atelier. Depuis plusieurs semaines, le passage à la pompe à essence est de plus en plus douloureux. Des prix qui s'envolent, des impôts, des taxes sur les taxes, et votre pouvoir d'achat qui disparaît. Lorsque vous ne vivez pas dans une grande métropole, je veux pour vous les mêmes avantages que pour les travailleurs des grandes villes qui se déplacent dans les transports en commun. Car ceux qui prennent le bus ou le métro se font rembourser la moitié de leurs frais de déplacement par leur employeur. Mais rien pour les automobilistes. C'est injuste. Je veux rétablir l'égalité entre les urbains et les ruraux. L'égalité entre les travailleurs des villes bénéficiant des services publics et les travailleurs des villes moins équipés. Avec nous, les salariés qui n'ont pas de solution de transport en commun pourront se faire rembourser la moitié de leurs frais de carburant. C'est 40 euros de plus par mois pour le salarié que les patrons pourront déduire de leurs bénéfices imposables. Oui, mes amis, nous voulons que le travail paye mieux. Nous croyons au mérite, nous croyons à l'effort. Et c'est pour cela que nous voulons que chaque travailleur puisse bénéficier de la richesse qu'il a créée. Et pour cela, nous voulons repenser notre manière de distribuer les fruits du travail. C'était le grand projet économique et social du général de Gaulle, celui qu'il a tenté de mettre en place jusqu'au dernier mois de sa présidence. Ce projet était celui de la participation. La participation, c'est faire bénéficier directement le salarié des succès de son entreprise. La participation, c'est la défense du mérite. Alors, je veux que les salariés puissent toucher une prime de participation au bénéfice de leur entreprise. Quand l'année a été bonne, quand les objectifs ont été atteints et que les carnets de commandes sont pleins, je veux que les salariés en profitent. Il n'y aura plus aucune condition pour débloquer sa prime de participation. Quand on connaît les nombreuses contraintes qui empêchent aujourd'hui nos salariés d'en profiter. Avec nous,
tous les salariés pourront toucher immédiatement cette prime sans payer d'impôt sur le revenu. Ils pourront dépenser cet argent sans être obligés de l'investir dans un plan d'épargne. Ils pourront enfin en profiter librement. Toutes les entreprises pourront verser cette prime sans aucune charge sociale. Pas de charge pour l'entreprise et pas d'impôt pour le salarié. La participation est un véritable moyen pour une entreprise de valoriser le travail de ses salariés. C'est un moyen de fidéliser ses cadres, d'encourager ses employés, d'aligner les intérêts de toutes les parties de l'entreprise. C'est cette philosophie économique qui doit nous inspirer. Pour les entreprises qui veulent rémunérer davantage leurs ouvriers, leurs ingénieurs, leurs cadres, leurs employés, je veux qu'elles puissent le faire sans être dissuadées par l'URSSAF, sans regretter que la moitié de ce qu'elles donnent aille financer on ne sait quelle dépense. Oui, je l'ai déjà dit et je le répète, les salaires nets sont trop bas pour les salariés et les salaires bruts sont trop élevés pour les chefs d'entreprise. Il nous faut trouver tous les moyens de résoudre cette équation. Augmenter les revenus nets du salarié sans faire exploser le salaire brut. Enrichir le travailleur sans appauvrir l'entreprise. Et pour cela, mes amis, je vais vous annoncer une nouvelle mesure. C'est une mesure simple. Et pourtant, je crois que c'est une révolution. C'est une mesure qui va enfin permettre au travailleur de voir son travail valorisé. C'est une mesure qui mettra fin au scandale des salaires trop bas sur lesquels pèsent des charges trop lourdes. Les impôts, les taxes, les URSSAF brident le travail, désespèrent les entrepreneurs et découragent les travailleurs. Je propose donc la prime zéro charge pour zéro URSSAF pour augmenter votre revenu. Ainsi, tout patron pourra accorder une prime chaque année, sans aucune taxe, ni aucune charge, ni patronale, ni salariale. Cette prime, pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, 13e, 14e, 15e mois, sans charge. Voilà ce que je vous propose, mes amis. Zéro taxe, zéro URSSAF pour toute prime augmentant le revenu des salariés. Tout patron pourra récompenser celui qui travaille, celui qui fait des efforts. Et vous verrez, les salariés voudront alors travailler davantage pour recevoir cette nouvelle prime zéro charge. C'est donc une mesure qui permettra de mieux récompenser le mérite et de lutter contre les arrêts maladie et l'absentéisme de complaisance qui coûte jusqu'à 100 milliards d'euros chaque année. Un chef d'entreprise pourra décider de verser à son salarié une prime exonérée de toute charge. 3 000 euros de coût pour l'entreprise, 3 000 euros dans la poche du salarié. Voilà comment on récompense le travail, le mérite et l'effort. À vous, les chefs d'entreprise, voilà comment je vous permettrai d'augmenter les rémunérations. À vous, les cadres, les employés, les ouvriers, les salariés, voilà comment vous augmenterez votre pouvoir d'achat. Je vous l'ai dit, je ne suis pas comme ces politiciens dogmatiques qui défont systématiquement ce que leurs prédécesseurs ont fait.
Si la prime Macron, sans charge ni impôt, votée pendant le Covid a été une bonne chose, pourquoi la limiter à ce point? Pourquoi limiter cette prime à 1 000 euros pour la plupart des entreprises? Je ne veux plus que l'URSSAF dissuade les patrons d'augmenter les salaires ou de verser une prime. Comment valoriser le mérite? Comment valoriser le mérite si, lorsqu'un patron verse 5 000 euros de prime à un salarié qui a trimé toute l'année, il est obligé de payer 4 000 euros de charges sociales pour financer un modèle social obèse ouvert au monde entier? Voilà ce qui empêche les salariés d'être payés davantage. Voilà ce qui empêche de mieux valoriser le travail. C'est cette folie à laquelle nous voulons mettre fin. C'est cette folie à laquelle nous mettrons fin. Pour des millions d'entrepreneurs et de patrons de petites et moyennes entreprises, pour des millions d'artisans, de commerçants et même de grandes entreprises, je donne enfin la possibilité de récompenser un salarié sans être taxé davantage. Oui, rendez-vous compte, nous allons enrichir le travailleur sans appauvrir l'entreprise. C'est une révolution économique, sociale, salariale inédite. C'est une immense mesure de justice sociale et fiscale. Voilà ma vision de l'économie. Je ne veux plus d'un État qui ne fait que taxer, imposer, réglementer, ponctionner, d'un État qui redistribue mal et dissuade les entrepreneurs. Je veux un État qui permette aux salariés de mieux profiter de la croissance de leur entreprise. C'est une question de mérite et c'est une question de justice. Oui, il y a une urgence sociale dans notre pays qui a pourtant les dépenses sociales les plus élevées du monde. Mais nous avons la solution. Je dirais même plus, nous sommes la solution. Nous sommes la solution du mérite, du travail et de la justice. Nous sommes la seule solution pour le véritable progrès social. La reconquête que nous incarnons, c'est privilégier enfin nos compatriotes qui travaillent. La reconquête que nous voulons, c'est garantir enfin la réussite à ceux qui travaillent dur et combattre l'assistanat. La reconquête que nous défendons, c'est lutter contre le grand remplacement pour lutter contre le grand déclassement. Fait partie des principales angoisses des Français et il fait aussi partie des principaux piliers de notre programme. Mais là encore, notre position est cohérente avec notre vision de la France. Oui, nous allons redonner envie d'y croire à tant de Français qui n'y croyaient plus, qui en ont assez de voir leur situation personnelle et celle de leur pays décliner. Oui, nous pensons que demain sera meilleur. Oui, c'est possible, car impossible n'est pas français. Oui, oui, nous sommes convaincus que la France a un destin, que les Français ont un destin. Son peuple qui est là depuis 1 000 ans et qui a envie d'être là encore 1 000 ans. Alors notre devoir, mes amis, c'est de préserver, de cultiver, de transmettre, de préserver notre héritage, de cultiver notre art de vivre, de transmettre notre civilisation. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos entreprises, qu'elles soient prêtes à produire, à innover, pour partir à la conquête du monde. Nous allons avoir besoin de Français qui vivent bien de leur travail et qui n'ont plus l'angoisse des fins de mois.
Nous voulons redevenir ce peuple solide, robuste, fier et plein de confiance en lui. De confiance en son travail, de confiance dans son génie. Oui, oui, je veux insuffler à la France cet esprit de reconquête. Nous avons un pays à reconquérir, nous avons une économie à reconquérir. Rien ni personne ne nous fera mépriser notre pays, son économie, ses travailleurs et le fruit de leurs efforts. Rien ni personne ne nous fera oublier que nous sommes nés dans la prospérité, qu'elle a éclairé notre passé et qu'elle nous attend dans l'avenir. Rien ni personne ne nous fera abandonner nos parents, nos enfants, nos envies, nos ambitions, nos projets. Rien ni personne ne nous empêchera de vivre chez nous et pour nous. Ils ne nous déclasseront pas, ils ne nous soumettront pas, ils ne nous remplaceront pas. Il faudra nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas. Parce que le courage... Parce que le courage, c'est nous. Le panache, c'est nous. Le travail, le drapeau qui flotte au vent de l'espoir, c'est nous. La nation qui baisse pas les yeux, c'est nous. La terre qui refuse de se soumettre, c'est nous. Le peuple fier qui n'a plus peur, c'est nous. La reconquête, c'est nous. Vive notre intelligence, vive notre travail, vive notre grandeur, vive tout ce que nous aimons, vive tout ce que nous créons, vive la République et surtout, vive la France!